y pedirle a Dios de secretar a su lado. Entonces, yo le doy.
c'est la vie. Alors la vie peut comporter des pleurs et des rires, mais c'est la vie. On peut subir des défaites ou engranger des victoires, mais c'est la vie. Ayant observé cela, j'ai décidé qu'il fallait mettre la vie. C'est-à-dire mettre des graines. Et sur ce point, nous avons réussi à mettre à peu près 75% de jeunes dans les organes que nous avons consultés. Les jeunes ne signifient pas la mort de Dieu. Oui. Les jeunes ne signifient pas la mort de Dieu. Les nouveaux ne signifient pas la mort de l'ancien. Moi, je suis un ancien. Encore lui, là. Si je l'ai rencontré vers 1976, c'est qu'on a eu le bac en 1975. Et en 1976, à l'université, dans le mouvement militant, on s'est rencontrés et on est encore en train de militer, en train de lutter. Nous sommes donc des vieux et des anciens. Mais l'arrivée des jeunes ne nous fait pas peur. Au contraire, c'est ce que nous souhaitons. Que signifie un parti politique où il n'y a pas un mouvement ininterrompu des jeunes gens qui viennent? Ça ne signifie que. Ça ne signifie rien. Mais vous, les jeunes, à qui on fait la place, il ne faut pas penser que occuper un poste, c'est la fin du tout. Ah non! Occuper un poste, c'est le commencement. C'est le commencement. C'est-à-dire, c'est à partir de ce moment que vous devez commencer votre carrière. Une carrière politique, ça ne s'emporte pas. On compte sur quelqu'un pour forger sa carrière politique. C'est soi-même. C'est soi-même qui forge sa carrière politique. Si tu te vois à la direction à Ouagadougou, c'est moi. C'est-à-dire que tu es battu. Une fois. Tu es battu deux fois. Pour la troisième élection, le parti va prendre un autre candidat. Alors, ça va pour toi? Parce que le parti peut gagner.
il n'y a pas un parti qui veut perdre. Tous les partis cherchent des gagnants. Donc, dès l'instant où on vous a mis le pied à l'étrier, où on vous a mis à un poste, c'est à vous de construire votre carrière. Si vous gagnez, vous êtes la France chez nous du parti. Si vous ne gagnez pas, vous n'êtes pas l'enfant chéri du peuple. C'est ça. Donc les jeunes gens, on ne vous a pas mis là pour occuper des postes. On vous a mis là pour travailler. En travaillant, vous construisez votre carrière et vous construisez la carrière du parti qui vous a mis là. Je vous ai dit ça d'abord sur les jeunes. Maintenant, sur les femmes, c'est un problème. On n'a pas assez de femmes dans le parti. Pourquoi? On n'a pas assez de femmes dans le monde. Mais il faut qu'on se demande pourquoi. Est-ce qu'une politique est mise en œuvre pour attirer les hommes vers nous? Il faut attirer les femmes vers nous. Il faut attirer les femmes vers nous. C'est pas pour ce que tu penses. C'est pas pour ce que tu penses. Mais pour le trouver, pour le trouver. Parce que il y a des choses que les femmes peuvent faire que les hommes ne peuvent pas faire. Les femmes et les hommes sont égaux en droit. En droit. Mais je suis au village. Maintenant, il y a de l'eau courante dans mon village. Parce que quand je suis devenu président, qu'on a mis l'électricité dans ma maison, j'ai dit de mettre l'électricité dans tous les villages. Et dans tous les villages, de la région. C'est pourquoi aujourd'hui tous les villages de Gagnoire sont électrifiés. On a mis aussi de l'eau. Et dans mon village, les femmes ne vont plus à la source, puisqu'il y a de l'eau. Il y a au moins des puits, au minimum. Donc elles ne vont plus à la source.
Mais regardez un peu la vie d'une femme dans un village moyen. Moi, je regarde chez moi. La femme se lève le matin. Elle fait le déjeuner, le petit déjeuner. Son mari est encore couché. Elle fait le petit déjeuner qu'elle met à côté. Quand monsieur se lève, quand les enfants se lèvent, ils puissent déjeuner. Pendant que eux déjeunent, elle s'en va à la source. Avec soit le canari, soit la cuvette, elle s'en va. Je parle de l'observation que j'ai faite quand j'étais élève et étudiant, donc quand je venais en vacances. Parce que ma mère était une de celles là, une des femmes. Je la voyais. Elle a fait le déjeuner. Elle sort de l'eau qu'elle laisse là pour que monsieur puisse se laver. Et quand tout cela est fait, elle va à la source. Et c'est souvent à la source que les vieilles amènent des nouvelles au village. Quand elle arrive au village, elle dit « Ah, la nouvelle mariée d'un tel, elle trace. » Elle passe la vie à l'enceinte. On se donne. On est quand une fille vient de se marier et on voulait d'aller à la source. Là-bas, elle cause. Mais les anciens, les plus bons, les anciens, les pires. La regarde se comporter. Elle te pose non. Si elle peut manger, elle mange. Quelquefois, elle ne mange même pas là. Elle attend d'être au champ pour manger. Pour se cueillir une banane, pour se briser une banane, et manger une ou deux. Quand elle a fini, elle se va à la rivière. Parce qu'il faut aller tôt pour que les oiseaux ne se fassent pas sur le riz. Pour que les oiseaux n'aient pas le temps de se faire. Et elle est récolte de riz. Elle est récolte. C'est après que le mari, après avoir traîné un peu au village, va dans la plantation de café pour nettoyer. Sous les caféiers,
sin la mano. Así la mano para todos. Y puis, après, y tú, madame, de la rivière, où elle va lui faire à manger. Parce que le gars, il mange à minuit. Oui. Et elle lui fait à manger là-bas. Et après, lui, il la quitte. Vers 16 heures, il s'en va au palmier où il attend ses copains. Le palmier, c'est comme au maquis. Ils prennent le canari de vin, le vin de palme, ils boivent bien, ils racontent leur paillardise. Et puis, ils apportent le peu qu'ils ont épargné. Parce qu'ils boivent beaucoup. Ce qu'ils boivent au panier, c'est plus que ce qu'ils amènent au grain. Et puis je dis. Mais quand la femme arrive à la nuit tombante, la journée n'est pas terminée. Elle va faire la manger. Pour que monsieur et les enfants mangent. Elle va non seulement se ramener, elle va chauffer de l'eau, elle va, etc. Et ça, j'étais assis là et enfermé. Parce que nous, on n'était pas les gens du village. Donc, quand on allait au village, le papa habitait chez un de ses cousins qui lui-même avait trois femmes. Papa en avait deux. Et on les regardait. Et moi, j'observais. Et les femmes faisaient à manger le grand repas. Même celles qui n'étaient pas de corvée, parce que il y a celles chez qui le monsieur dort. C'est elle qui est de corvée. Pour le grand repas de la cour. Mais même celles qui ne sont pas décorées, elles font la cuisine parce qu'elles ont des enfants. Professeur, si je me trompe, vous me corrigez parce que nous sommes de la même. Nous sommes du même point, donc on voit nos soeurs, nos mamans agir de la même façon. Donc elles vont faire à manger. Et tu trouves les femmes en train de se laver. C'est la nuit. Elles sont éreintées, fatiguées de toute cette longue journée. Et après, quand chaque enfant a mangé, quand chaque enfant s'est lavé, elle, elle va aller se coucher. Donc, c'est une vie particulière que les femmes ont dans nos sociétés. Et il n'est pas sûr que quand elle vient à Abidjan pour habiter Yokougon,
aboga ou 13 000 ou moitié, que ça change de beaucoup en volume de travail, je veux dire. C'est pourquoi les femmes, quand elles décident de rejoindre un parti plus limité, c'est un plus pour ce parti-là. C'est un plus parce qu'il faut qu'elles viennent. Si nous voulons être réellement un parti de gauche, libérateur, il ne faut pas qu'on libère ceux qui sont déjà libérés. Et qui contraignent d'autres à une vie semi-esclavagiste. Il faut qu'elles-mêmes, nous les attirions vers nous pour qu'elles puissent non pas témoigner. Nous ne sommes pas au théâtre pour qu'elles témoignent et puis non. Mais pour que nous puissions trouver ensemble les moyens de leur libération, qui est aussi notre libération. Qui est aussi notre libération. Donc il faut faire attention aux problèmes des femmes. Il faut faire attention. Ce n'est pas pour rien que Yacoubo est rempli. En tout cas, nous qui venons de l'Ouest, il y a beaucoup à remplir les femmes de l'Ouest. Parce qu'elles sont fatiguées au village. Elles sont fatiguées. Donc elles fuient le village. Pour venir rester à Bobo, rester à Yacougon, rester à Toumassi, rester à Port-Boué, rester à Vridi. Elles fuient. Elles fuient. Donc les jeunes, les femmes, il faut que le parti fasse attention et ne les néglige pas. Il faut que le parti ne les néglige pas. Il faut que le parti ouvre les yeux et travaille avec elle, mais pour la société. Pour la société. Parce que quand une femme est libérée, quand les femmes sont libérées, c'est toute la société qui gagne. C'est toute la société qui gagne. Quand on met de l'eau courante dans un village, c'est qu'il y a même la moitié des cordées de la femme. Mais c'est tout le village qui se porte bien. Toi, le garçon, tu peux toujours mener un robinet et puis avoir un verre d'eau et boire. Tu n'as plus besoin que le matin, pendant que tu es au lit, la femme aille à la source avant de le mener. C'est pourquoi il y a des points de combat qu'il nous faut, dont il nous faut nous en parler, et qui sont les points de libération et de la femme et de la société. Quand on dit qu'il faut mettre l'eau courante, c'est pour libérer les femmes, mais aussi la société tout entière. Parce que si elle est libre pour ça, elle peut consacrer son temps à autre chose. Il faut les mettre à l'école. Là aussi, il faut un programme.
And mama, what can you die? Because you caught the name of the girlfriend, the name of the family. They said, did you kill my father? This is it. No, man. La première année où j'ai été élu président, l'école était remplie. Alors qu'avant, les gens ne voulaient pas mettre la campagne. Mais quand je suis devenu président, j'ai dit, ah, donc, quand on va à l'école, on peut devenir président. Alors, on a été obligé de faire une deuxième école avant moi et une école dans le village d'à côté. Dans le village de Fekendi, ici. Dans le Rouillou. Le problème m'a fait remarquer d'ailleurs que leur nom, Moudjibé, c'est-à-dire le sel de l'eau. C'est-à-dire c'est des gens qui viennent peut-être du bord. Mais enfin, ça c'est un autre. Alors, on a été obligé de multiplier les écoles. Mais on n'a pas encore multiplié les filles à l'école. On n'a pas encore multiplié. Il y en a plus qu'avant. Il y en a plus qu'il y a 20 ans. Mais il n'y en a pas assez pour faire contre. Donc voilà, lutter pour que les jeunes montent et lutter pour que les femmes augmentent dans le monde. Ce n'est pas encore, celui pour les jeunes, on a fait un effort là sur cette promotion, mais pour les femmes, on n'a pas de nom. Donc, on ne peut pas nommer des personnes qui n'existent pas avec nous. Il faut travailler à ça. Il faut reprendre notre ancienne mesure. Qui est qu'il faut au moins 30% de femmes dans chaque structure de notre pays. Au moins. Il faut au moins 30% de femmes. Un jour, quand j'étais président, dans une ville que je ne nommerai pas, il y avait une élection municipale. Il y avait une élection municipale que nous étions sûrs de gagner. Ça va donner un bon signal. Il y a la cause. Entre nous, nous l'avons dit, on n'arrête pas pour les bons. Entre nous, nous l'avons dit ici, que nous tiguions le bon de toi. Mais il m'a dit ça comme ça. Entre nous, nous l'avons dit là. On en est encore là. Si dans ce parti-ci, qui se dit de gauche, on a fait des réflexions comme ça, et dans la société entière, vous comprenez? Donc,
Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur le fond. Le fond, ce que j'envisage. Les horizons nouveaux. Promouvoir les femmes, promouvoir les jeunes. Voilà les horizons nouveaux. Et les anciens ont des tâches d'encadrement. Ont des tâches d'encadrement. Alors, on a fait ce travail. On dit qu'il y a beaucoup de bruit. Qu'il y a des gens qui sont les gens. Moi, ça fait depuis 1988 que je forme cette direction. Le premier congrès constitutif célèbre dans la boule de Dabou, c'était en 88. Et c'est là que j'avais été élu pour la première fois à la tête du RPI. Le secrétaire général comprenait alors 7 personnes. Et au congrès de l'Hôtel d'Ivoire en 2010, on a sorti un secrétaire général de 7 personnes. Le comité central de 60 personnes. Ça nous semblait beaucoup. 60 personnes. Aujourd'hui, vous avez vu le comité central que nous avons tenu 800 personnes. Bon, alors, il y a eu beaucoup de gens qui ont connu, mais je suis habitué. Je suis habitué. On ne peut pas nommer des gens sans que d'autres se prennent. C'est pas, moi, je n'ai pas connu ça. Moi, je suis habitué. Il faut continuer à avancer. Il y a des erreurs qui se commettent souvent quand on nomme les gens. Mais dire qu'on a commis une erreur, ça veut dire qu'on est à la corriger. Mais on n'arrive pas tout à corriger une erreur. On avance, on marche, et c'est dans la marche qu'une erreur se révèle être une erreur. Si tu viens me dire à tout bon, tu as nommé un tel, mais tu aurais dû nommer un tel autre, moi je te réponds, voici mon objectif. C'est pas de nommer quelqu'un. Mon objectif, c'est que les gens de tout bord votent au moins à 60% pour nous. Donc on marche. Et si les élections arrivent, que les gens de tout bord votent en deçà de ce qu'on espère, on dit vraiment on a donc une erreur. Mais si les gens de tout bord, tu me dis tu aurais dû nommer un tel autre, mais si les gens de tout bord
Soy Lara, le nombré a papá sin sopresión. Entre el hermano del secretario general. Toda la estructura que existe, y cumplir el CSP. Y toda la estructura. A peu près, on a nommé 700 personnes. Vous comprenez? On ne peut pas nommer une telle masse d'hommes sans. La moindre erreur. Mais il faut travailler. Il faut travailler. Ceux qui ont été nommés, ceux qui n'ont pas été nommés, travailler. Parce que des tâches nombreuses nous attendent. Et on va corriger les erreurs. Dans la masse, dans le travail, dans la masse. On va continuer ici, là. Mais on ne peut pas arrêter la machine. On dit, ah, on nous a dit qu'il y a des gens, donc arrête la machine. On arrête la machine. Et puis quoi? Et puis quoi? Et puis rien du tout. Parce que si on arrête la machine, camarades, au travail, dès qu'on sort de cette salle au travail, prenez vos tâches au travail. Au travail, partout où vous êtes, au travail. Moi, je m'occupais. D'autres problèmes. Avant l'habitude. J'ai commencé. Quoi, Justin est là? Il est parti à faire du travail. Il est parti où? Il est parti à Bongo. Ah, il travaille à Bongo. Il a des gens. Mais il n'est pas dans la salle. C'est un peu un peu. D'accord. Oui. Oh, ok. Lui, il fait partie de ceux qui ont été libérés. Mais ce n'est pas ce qu'il a. Je veux dire que la liberté, elle est une donnée essentielle pour le développement. Elle est une donnée essentielle. La liberté, la culture, les gens ont l'impression que quand on dit des mots comme ça, ce sont des mots théoriques, mais ce n'est pas des mots théoriques. Tu prends un homme, tu l'attaches autour d'un cacaoyer dans ta plantation du problème. Il ne travaillera pas. Donc tu ne dois pas l'attacher. Il n'est pas libre. Alors que quand il est libre, il va courir à droite, à gauche, vérifier si tel d'abord ses murs et tel n'est pas encore mûr, etc. C'est ça, la liberté. Moi, je sais un livre, c'est bien, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Et
jamais médité. Pourquoi il y a des prisonniers militaires dans notre pays aujourd'hui? Dix ans avant la crise, pourquoi? Je ne peux pas accepter ça. Parce que je n'accepte pas ce que je ne comprends pas. Or ça, je ne comprends pas. Je suis venu, j'ai plané. On m'a pas assez entendu. Je vais recontinuer à prédire jusqu'à ce qu'on m'entende. Parce que si nous continuons sur cette lancée, on n'aura plus d'armée. Parce qu'un militaire, il est fait pour obéir aux ordres de la hiérarchie qui, elle est civile et politique. Depuis 6 ans, c'est cela qui est dans notre arme pour gagner. Que les armes le cèdent à la peau. C'est-à-dire que les militaires se mettent à la disposition du civil politique. C'est ça, tout ça. Ça, c'est depuis l'Antiquité. Et c'est cette règle-là qui prévaut. Donc, le militaire qui est là et qui obéit aux ordres de son chef qui est civil. Tu arrêtes le civil, ça suffit. Mais tu arrêtes le militaire dont le rôle est d'obéir. Ça ne signifie plus rien. Et on libère le civil en lui disant il n'a commis aucune faute. Et le militaire est en prison. Pourquoi? Vous voyez, c'est pourquoi il faut que le droit soit clairement connu par ceux qui doivent gouverner. Et ceux qui doivent gouverner doivent savoir comment est-ce que l'application du droit peut impacter la vie de certains citoyens. Mais moi, je suis militaire. On m'a donné l'ordre de barrer la route qui va à Zopi et d'empêcher les rebelles qui viennent de Bouna de pénétrer dans la ville d'Abidjan. Je fais ça et on m'arrête. Mais pourquoi vous m'arrêtez? On m'a donné un ordre. J'ai obéi à cet ordre. Allez arrêter celui qui m'a donné l'ordre. Mais vous, vous l'arrêtez. Il est libéré et moi, je suis là. Vous comprenez? On n'aura plus d'armée si on continue comme ça. Parce que chaque militaire va avoir peur d'obéir à un ordre. Cela n'est pas une bonne chose pour la construction de l'État du Côte d'Ivoire.
pour que nous devons travailler à effacer cela. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, voilà ce que je voulais vous dire et vous souhaiter bon travail. Je vous souhaite un très très bon travail, un très long travail. Faites mentir ceux qui disent qu'on a eu tort de vous nommer en travaillant et en obtenant des résultats. Mais, à soi, je voulais te demander pour l'autre, le protégé de d'abord Saïd. Oui. Donc, Président, quand on a vu ce qui est apparu sur les réseaux sociaux, j'ai appelé Dominique Saïd, c'est-à-dire le chef de Boulango. C'est lui qui avait accompagné Guétia chez moi pour dire que Guétia nous rejoint. Entre-temps, Guétia était passé à notre siège pour payer sa contribution et tout et prendre, remplir les fiches. Je l'ai appelé, il était étonné. Il a appelé son protocole. Je vois la PAC qui passe dans la salle. Là-bas, il est là. Et ils sont venus que Pierre est là-bas, sont venus chez moi avant-hier. Pour dire qu'il est étonné, ce n'est pas lui qui a fait cette déclaration.